bienvenue à l'école des collines sur la commune de Miribel dans la Drôme. Il s'agit d'une école maternelle, primaire et un restaurant scolaire. Le projet s'inscrit sur un terrain qui est assez champêtre et il s'inspire des architectures vernaculaires, des séchoirs. Il construit une succession de volumes, un peu comme des petites maisons, petits séchoirs, un hameau en quelque sorte. Et puis l'objectif a été aussi de se dire, effectivement, nous construisons avec les matériaux du site. Le projet emploie énormément de bois, mais il ne faut pas oublier que aussi son cœur intérieur est bâti de la terre du site du Pizet. Donc on retrouve le bois dans l'ensemble des façades de projet. L'isolant qui est utilisé, c'est de la paille. Et puis l'ensemble de la structure après porteuse, de la charpente, des toitures, des préaux, c'est aussi réalisé en bois. Donc le bois est omniprésent, visible dans le projet, en accompagnement de la terre. Alors, pour ce projet, les atouts sont effectivement la capacité de bois de nous permettre de réaliser des structures qui sont à la fois structures légères, mais néanmoins très performantes thermiquement, et puis de nous permettre de bâtir une vêture relativement rapidement, puisque l'ensemble de ces panneaux a été préfabriqué, et puis d'une manière ce qu'on appelle la construction sèche, donc avec une propreté impeccable sur le chantier, avec une très grande précision. Le projet utilise du bois local, et c'est la même logique qui a guidé l'équipe de conception comme pour le choix de la terre. C'est du bois local, et de surcroît le maître d'ouvrage avait demandé aussi une labellisation bois des Alpes, donc l'ensemble de bois vient de massif alpin.